Issa, éveillez-vous. C'est quoi ce bordel ? Intrigué par la mallette sur ses genoux, c'est pas à moi ça. Issa décide de regarder ce qu'elle contient. Ils sont sérieux ? De l'eau bénite. Mais c'est quoi ce truc ? Issa n'a aucune idée d'où il se trouve. Y a quelqu'un ? Très important, Issa. Lorsque vous entendrez ceci, ça sera plus fort que vous. Vous ferez un cri de loup sans aucune raison. Taisez-vous, jeune inconscient. Approchez-vous. On est où, là, déjà? À l'hôtel Transylvanie. Moi, j'ai jamais pris d'hôtel, moi. Ne faites pas de bruit. Je fais pas de bruit, là. J'allais réveiller le comte. Quel comte? Le maître des lieux. Le mais comte. On n'est pas dans Scooby-Doo. Quel comte? Je vous parle du maître des lieux, le comte Dracula. Dans le frigo, là? Ce n'est pas un frigo, c'est un cercueil. Ça, c'est un cercueil, ça? Oui. Où, depuis des années, le comte Dracula. Et genre, il dort debout, lui. Évidemment, monsieur. Et vous êtes chelou. Ça s'ouvre. Oh, putain! Il y a vraiment un mec dedans, mais t'es sérieux, toi? Non, mais attends, on est où, là? T'es malade, toi. Moi, je reste pas ici. Effrayé, Issa tente de quitter les lieux. Revenez! Non, mais tu veux que je revienne où? T'es un malade, toi. Ah! Arrêtez, vous allez réveiller le comte! Je veux réveiller quoi? Il y a un mec qui est dans un cercueil, tu me dis que je veux réveiller quelqu'un? Issa, écoutez-moi, revenez à la réception. Ça fait des années que le comte dort. Si vous le réveillez, il va être affamé. Affamé, genre lui en plus il vit, il est mort, ta race. Issa va maintenant faire la connaissance d'un autre client de l'hôtel. Oh, vous êtes chelou, vous ici, c'est un truc de ouf. Qui risque de ne pas le laisser indifférent. Genre en gros, vous êtes tous comme ça. La chambre habituelle. Il parle pas, lui. La chambre des sévices. Mais attends, mais je fais quoi ici, moi, là? Ah, genre, il a une chambre, lui. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez réveillé le comte. Quel comte? Vous l'avez réveillé, taisez-vous. Cachez-vous, restez pas là. Quoi? Au cours de l'aventure, vous ferez la rencontre d'un personnage très effrayant. Un célèbre comte. Et lorsqu'il vous touchera, vous vous endormirez instantanément. Vous avez réveillé le comte. Quel comte? Cachez-vous, restez pas là. Mais tu vas où, là? Hé hey! Qui a osé me réveiller? Paniqué, Issa décide de se cacher. Allez derrière le fauteuil. Qui est là? Il y a personne. C'est toi qui m'as réveillé. J'ai faim. Regarde dans ton frigo, je sais pas. Défendez-vous, prenez ce qu'il y a dans votre palette. Va des rétro satanas. Pocus, pocus. Caratum, pastum. Garam vroom. Vroom vroom. Retourne en enfer. Issa sait que les vampires ont peur de l'ail. Il décide donc de s'en servir contre le comte Dracula. Rassum, racisum. Autant nous, en enfer nous. C'est de l'eau bénite, hein, tu vas brûler. Brûle en enfer, Satan. Ça marche. À bout de ressources, Issa ne sait plus quoi faire. Mais rappelez-vous, si Dracula le touche, il s'endormira instantanément. À nouveau endormi, Issa va subir une transformation physique. Nous lui installons de fausses dents ainsi qu'une cape. À son réveil, il va progressivement se rendre compte qu'il est devenu lui aussi un vampire. À peine les yeux ouverts, Issa ressent que quelque chose a changé en lui. Mais il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je fasse quoi, là? Vous avez été mordu par le maître.
Maintenant, vous êtes un vampire. Ouais, ouais. Regardez. Oh, putain. Mais c'est mes gencives, ça. Ah. Vous êtes un vampire, vous voyez? T'es un vampire. Et attention, à partir de maintenant, lorsque vous entendrez la chanson trailer de Michael Jackson, vous allez faire la chorégraphie comme dans le clip. Vous êtes désormais sous l'emprise du maître. Il y a de la musique ici, hein? Ouais, on danse. Ouais. Les griffes. Ouais. Ouais. Et maintenant, restez debout. Restez debout. Dormez debout. Tout va bien. Dormez. Tout va bien. On va le faire remonter au conscient maintenant. On va lui donner un boost d'énergie à son éveil. À mon signal, vous allez complètement vous libérer de toute suggestion. Vous allez sentir cette énergie en vous, cette puissance en vous, cette joie de vivre, ce rire. Vous allez vous sentir merveilleusement bien. Un, deux, trois. Maintenant. L'énergie revient.